Les simulateurs de tous bords abondent, et ce, depuis un bon moment. Ça fait longtemps que l'on a perdu notre sérieux et que les simulateurs de sport mécanique, de vol ou de pêche ne nous surprennent plus. Non, on est en 2018, flûte. Pour nous faire rêver, il nous faut des simulateurs de travail au bureau, de chèvres, voire d'insultes. C'est le cas de Ho Sir the Insult Simulator qui continue son bonhomme de chemin avec sa récente sortie sur Switch. C'est un jeu qui consiste à insulter les gens. Donc si c'est votre truc, vous allez forcément apprécier. Notre inspiration première, c'est un sketch des Monty Python à propos d'un perroquet mort, et je vous le conseille. La première version de notre jeu est née lors d'une Game Jam en 2015. On a publié cette version gratuitement sur Steam et le succès fut impressionnant. 140 000 personnes l'ont essayé, c'est vous dire. À partir de là, il fallait qu'on fasse une version plus poussée. Et depuis sa sortie originelle, le titre n'a pas cessé d'évoluer. Le concept reste le même, mais en utilisant un ressort de gameplay qui promet que chaque partie soit unique, crotte de bique. Des mots prédéterminés apparaissent de manière aléatoire. Il faut les choisir chacun son tour et essayer de faire une phrase qui a du sens, mais qui reste une insulte. Plus c'est drôle et insultant, plus vous marquerez de points. D'autant qu'en creusant un brin de plus, les joueuses et les joueurs qui se laissent tenter pourraient bien découvrir quelques subtilités. De quoi rallonger le plaisir taillé pour le multijoueur, nom d'un babouin en sueur. Chaque personnage a ses faiblesses. Donc, une fois que vous connaissez mieux ces dernières, vous pouvez affiner vos insultes pour qu'elles marchent encore mieux. Autre exemple, si vous vous acharnez à choisir le même sujet pour une insulte pour plusieurs phrases de suite, vous ferez un combo et gagnerez un multiplicateur de score. Il y a vraiment beaucoup de moyens d'engranger un tas de points. Et le studio Vile Monarch continue à en gagner des points. Après The Insult Simulator, la série Oh Sir a trouvé sa juste suite avec The Hollywood Roast, déclinant le modèle en y ajoutant une bonne dose de pop culture. Tant qu'il y aura des mots et des univers à explorer, Oh Sir aura toujours une insulte dans la manche, prêt à dégainer. Et ça, vous n'y pouvez rien, bande de vilains bachibouzous croisés aux vilebrequins d'une époque où on se torchait au brindilles. J'ai dû marquer beaucoup de points avec celle-là.